Ouais, la régate a été très intense. Alors évidemment, dès le début, les premiers jours le long des côtes brésiliennes avec toute la flotte. Malheureusement, Olcim a dématé au bout du troisième jour, je pense, ou quatrième jour. Et puis ensuite, on s'est détaché un petit peu devant avec Eleven Sour et on s'est battu jusqu'à la fin de manière très intense parce que il y a trois jours, on avait 50 nœuds de vent. On était encore à la bataille avec eux et ce matin, il y a eu aussi une zone de transition avec du vent faible. Donc voilà, résultat incertain jusqu'au bout et on est très content de cette deuxième place. Yeah, yeah, yeah. So in French or in English, this one? Because you didn't ask me this one in English. Okay, okay. Oui, dès la première nuit, en fait, j'ai été sur le pont en train de bricoler et il y a une écoute qui a glissé du winch et du coup donc la voile s'est mise à battre violemment et du coup est venue me fouetter le visage, donc j'ai eu un petit peu à l'œil et au nez, et voilà, donc c'est vrai que c'est pas la meilleure des manières de commencer une étape, mais bon, finalement c'était pas grand chose et puis voilà, au bout de quelques jours tout est rentré dans l'ordre. Well done, very good. When I watched one of the very first videos, when. Who are you?